Bonjour, c'est Catherine avec vous aujourd'hui. Bonjour tous les auditeurs, le groupe Jésus mon guide et tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Nous sommes dans la sixième semaine du temps pascal. Nous fêtons Saint Achille, martyr, et Saint Pancras, martyr. Je souhaite un très joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire la lecture des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 15-22, 18-1 et le Somme. Nous allons commencer avec ce chant à l'Esprit Saint. Ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent porteurs d'un message, avec l'ordre de Poussias et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître,
Voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. Lui qui est Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'homme. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'il habite sur toute la face de la terre, fixant le moment de leur histoire et limité de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent. Et le trouve, lui qui en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de la descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il y a fixé le jour où il va juger la terre, qu'il a établi pour cela quand il a crédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de sa résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent, « Là-dessus, nous t'écoutons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Dans cette lecture, Paul arriva à Athènes. C'était le centre par excellence de la science et de la philosophie grecque. La ville était aussi remplie d'idoles, la culture humaine la plus élevée et l'idolâtrie la plus grossière peuvent cohabiter tout à fait amicalement. Mais Paul avait déjà observé tout cela. Il se tient au milieu de l'Aréopage et commence à leur faire ce discours. Athéniens, Dieu inconnu, que vous vénérez et qu'ils ne connaissent pas, il vient leur annoncer que Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient. Il leur parla de ce Dieu créateur, que c'est par lui nous avons la vie, le souffle, le mouvement et l'être, et tout ce qu'il a fait, que si nous sommes des enfants de Dieu, de sa descendance, que nous ne devons pas penser à d'autres divinités qui sont pareilles à des statues d'or. Paul leur demande de se convertir, car il faut tenir compte de ce que Dieu a fait pour tous les hommes, et nous ne devons pas les ignorer. Car il est un Dieu juste, il a fixé le jour pour les hommes où il va juger la terre. Paul parle aussi de la résurrection du Christ, mais il ne voulait pas l'écouter ni le croire. Ne soyons pas comme ces Athéniens, car là où l'Évangile est annoncé, il y a des moqueurs et ceux qui ne croient pas et qui remettent à plus tard et à ceux qui ont cru comme Denis et Damaris. Soyons comme ces deux membres qui se sont laissés toucher par le discours de Paul et qui ont cru. Ne nous laissons pas nos cœurs aller vers d'autres divinités. Nous avons un seul Dieu, c'est lui que nous devons adorer. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il est notre Créateur. Laissons l'Esprit Saint travailler en nos cœurs pour être aussi comme Paul, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Psaume 148. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez-le, Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Cette séquence est terminée.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée sous la protection du Seigneur. Et nous allons finir avec ce chant, célébrer la bonté du Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur, Dieu est là avec nous pour toujours. Rien ne peut nous séparer de lui. Tout accompli.